نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره وقال تعالى أن الله قد أحاط بكل شيء علما أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما صدق الله العظيم. Chers frères, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le trésor de la foi du iman, le trésor de la conviction et de la certitude uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Le trésor de pouvoir placer sa confiance totale uniquement en Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ce n'est que toi que nous adorons et c'est uniquement seul de toi que nous implorons l'aide. Ça, c'est un véritable cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a eu ce matin l'occasion aussi de rappeler cela, que parmi les bienfaits de la venue des Anbiya alayhim salam et de la venue de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sur cette terre, eh bien le fait pour chacun de nous de pouvoir placer notre conviction et notre certitude et notre confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui est le Khaliq, celui qui est le Malik, celui qui est le Raziq, celui qui est le Qadir, celui qui possède tous les plus beaux attributs, celui qui possède le pouvoir total, celui qui possède la science complète, celui qui a le pouvoir de An-Naf et Wad-Dar, celui qui a le pouvoir de pouvoir causer, de pouvoir procurer un bien ou bien de causer du tort. Et ça c'est notre yaqin, ça c'est notre certitude inébranlable, inshallah ta'ala, dans notre conviction envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et je le disais qu'aujourd'hui, c'était un rapprochement avec ce vendredi 13, et on a maintes fois parlé de cela, c'est-à-dire que l'être humain, eh bien, il a attribué un certain pouvoir à un jour, à une date. Le fait de penser que tel jour, ou telle action, ou telle date, etc., aurait un pouvoir quelconque de nous faire du bien ou de nous faire du tort. Et par rapport justement à ces superstitions qui existent et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam est venu éradiquer, effacer pour ne placer la confiance totale uniquement qu'en Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien le fait que les gens pensent qu'aujourd'hui, eh bien c'est un jour qui peut nous porter, eh bien malchance, malheur, etc. Au point que, et vous voyez, comment parfois on se dit non, on n'y croit pas vraiment. Mais, oui, ça se dit, c'est la croyance populaire. Au point qu'on a réussi, et un frère nous le rappelait, qu'on a réussi à enlever de tous les avions, eh bien, un siège qui serait le siège numéro 13. Que quand on prend l'avion, nous avons, chacun de nous, sur le boarding pass, comme on dit, le numéro de siège. Eh bien, quand on entre dans l'avion, eh bien, vous n'aurez jamais une carte d'embarquement avec un siège qui vous est attribué avec le chiffre 13. Il n'y a pas. Il n'y a pas de siège numéro 13. Passez, pour ceux qui ne l'ont pas encore vérifié. Après le 12, on passe à 14. Pourquoi il n'y a pas? Ça porte malchance. Allahu Akbar. Non, il n'y a pas de malchance, il n'y a pas de malheur. Et aujourd'hui, alors il y en a qui y croient tellement que pour se rassurer, pour comme on dit, conjurer le sort, eh bien on dit que on va essayer de transformer ce jour dans lequel on a pensé qu'il est source de malheur comme un jour de bonheur. Et qu'est-ce qu'on fait par exemple? Eh bien la Française des Jeux fait le loto du vendredi 13. Et on dit qu'il y a plus de gens qui jouent ce jour-là pour conjurer le sort. Que le malheur peut devenir finalement le bonheur. Et que quelqu'un dirait, j'ai gagné des millions, vous voyez, c'est vendredi 13. Pour moi, ça n'a pas marché, le malheur, c'est le bonheur. Or pour nous, il n'y a ni malheur et ni bonheur. Il n'y a ni malheur ni bonheur dans quelque chose qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que tout est entre les mains d'Allah. Qu'il y ait un siège 13, eh bien, inshallah,
à l'embarquement, à l'enregistrement, je dirais, donnez-moi le siège 13, Inch'Allah. Et parce qu'on prend amener un service spécial pour celui qui occupe le siège 13. Pas de problème. Ça, c'est le yaqin, ça. Les sahaba, radiallahu anhum, ont prouvé cela. Dans différentes circonstances. En rappelant que ma foi totale, elle est en Allah. Ça, c'est la conviction. Il y a quelques semaines de ça, dans une discussion avec quelqu'un, la personne a dit que voilà, elle est dans une bonne situation, et puis il y avait une table devant elle, et elle a dit, je touche du bois. Elle dit, je touche du bois. Parce que j'ai dit que je vais bien, mais attention, touche vite le bois. Parce que il faut pas que, finalement, il m'arrive quelque chose de mauvais après. Je touche du bois. Tu peux toucher du bois, du fer, du plastique, ce que tu veux. Il n'y a aucun pouvoir là-dedans. Et c'est vrai. Il y avait des gens autrefois qui pensaient, et il y a une origine, évidemment. Chaque chose a une origine. C'est qu'avant, on utilisait le bois pour faire du feu. Et il y avait des gens, bien qui avaient la croyance que le dieu du feu, le génie du feu, il se trouve dans le bois. Et donc, pour s'attirer la grâce de ce dieu-là, eh bien, on touchait ce bois-là, par lequel, après, on faisait du feu, etc. Et alhamdoulillah, notre din nous a enlevé toutes ces choses-là. Que nous, on ne fait pas dépendre notre bonheur, notre succès, notre réussite, ou notre difficulté, ou nos difficultés et nos épreuves, c'est un élément qui est en dehors de la volonté d'Allah. Et c'est pour ça, le Coran, il y a des termes bien précis. Quand Allah Ta'ala, il parle de ceux qui adorent un autre que lui, il dit « Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum ». Ces gens-là adorent des divinités qui n'ont ni le pouvoir de leur causer du tort, ni le pouvoir de leur procurer du bien. « Wa ya'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wa la naf'a ». Ces gens-là adorent des divinités qui n'ont pas le pouvoir du bien et du mal. Un, Allah subhanahu wa ta'ala. Les situations, elles sont autour de nous. Et les gens s'interrogent. Tout est entre les mains d'Allah. Tout est entre les mains d'Allah. Il y a un pilote dans l'avion, c'est lui qui contrôle. Les passagers, ils dorment. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il régit. Allah ta'ala, il fait fonctionner l'univers. Et on place notre confiance en lui. Tout est entre ses mains. Les situations sont les situations. Il y a, comme on a dit, des hauts, il y a des bas. Notre confiance, elle est totale en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour planter la graine de cette certitude, de ce iman dans le cœur des gens. Et il ne le rappelait pas aux plus grands, il le rappelait dès leur jeune âge aux plus petits. Et nous avons ce magnifique hadith de Ibn Abbas radiyallahu anhuma. Il est dit, et il dit que j'étais à monture, sur la monture, derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à moi. Wallah, mes frères, hadith simple, hadith maintes fois entendu. Mais si on a arrivé à travailler notre certitude sur ces paroles-là, alors, inshallah, nous sommes sur la bonne voie, et nous sommes dans la voie de ce qui nous procure la sérénité dans notre cœur. Parce que notre cœur connaît des agitations. Notre cœur connaît des frustrations. Notre cœur connaît des tristesses, de l'indignation, ou de beaucoup de choses. Chacun, en fonction des différentes situations de la vie, eh bien, voilà, il se sent peut-être mal. Eh bien, il faut savoir que nous, la confiance, elle se place en Allah. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit au jeune Ibn Abbas, radiyallahu anhuma, il est un enfant. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit, Ya Roulam, ô enfant, inni u'allimuka kalimat. Je vais t'apprendre quelques paroles. Quelle est la première parole? Ihfazillaha yahfazka. Tu veux la protection d'Allah? Alors protège les commandements d'Allah. Préserve les commandements d'Allah et Allah il te préservera. Ihfazillaha tajidhu amamak. Préserve les commandements d'Allah et tu trouveras Allah devant toi. L'être humain, il se trouve parfois dans des difficultés. Et il dit, et même le croyant le dit, mais où est Allah? Ceux qui n'ont pas la foi solide, ils disent, mais où est Dieu alors? Lorsque des calamités s'abattent, lorsque des catastrophes naturelles surviennent, où est Dieu dans tout ça? Il est là. Il est là.
préserve les commandements de Dieu, tu ne trouveras Allah devant toi. Lorsque tu as besoin de quelque chose, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il forme l'imam des sahaba dès leur jeune âge. Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu veux demander, demande à Allah. Aujourd'hui, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des difficultés, on dit, mais pourquoi l'autre il fait pas ça? Pourquoi l'autre il fait pas ça? Qu'est-ce que lui pourrait faire pour moi? Qu'est-ce que lui pourrait faire pour nous? As-tu pensé avant de regarder tout autour, de lever les mains pour s'adresser à celui qui est en haut? Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes à Allah. Yaqub alayhi salam, il paie à son fils. Il ne se tourne pas vers les gens. Ashku bathi wa huzni ilallah. Je me plains de ma tristesse, de mon désarroi, de mon épreuve. Je m'en plains à qui? Ilallah, à Allah. C'est entre ses mains. Idha sa'alta fas'alillah. Lorsque tu demandes à Allah. Wa idha sta'anta fasta'in billah. Lorsque tu demandes de l'aide, eh bien, demande de l'aide à Allah. Et sache, regardez le yaqin, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de transmettre à Ibn Abbas, wa'alam, anna al-ummata, law ijtama'at, ala an yanfa'uka bi shay'in, lam yanfa'uka illa bi shay'in, qad katabaha Allah lak. Wallah, mes frères, ça, c'est facile de le dire, mais on n'arrive pas à placer notre yaqin là-dessus. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ibn Abbas, radiyallahu anhumah, sache que si la Ummah entière, l'humanité entière, devait se réunir pour te procurer un bien, pour te donner quelque chose, pour te faire un bien, eh bien, il ne pourrait te causer aucun bien, il ne pourrait te faire procurer aucun bien, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala l'a voulu. Tout le monde peut se mettre à mon service pour me rendre service. On peut prendre tous les responsables, tous ceux qui ont le pouvoir, tous ceux qui ont les richesses, tous les politiques, tout le monde. On prend tous les hommes du monde pour que, eh bien, je puisse obtenir un bien quelconque. On ne l'obtiendra pas, sauf, si Allah subhanahu wa ta'ala l'a écrite pour toi. Et si Allah ne l'a pas écrite pour toi, cette chose, eh bien, le monde entier peut remuer ciel et terre, rien n'arrivera. C'est notre confiance. C'est notre certitude, c'est notre yaqin, que c'est entre les mains d'Allah. Et la suite, wala wijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabaha Allah lak. Si l'humanité entière devait se réunir pour te causer du tort, alors il ne pourrait te causer du tort sauf d'un tort qu'Allah subhanahu wa ta'ala il l'a voulu. C'est notre yaqin, c'est notre certitude, c'est notre conviction complète et totale que tout le monde peut se réunir pour nous faire du mal, pour me faire du mal, pour causer du mal à un tel. Le mal ne sera pas causé si Allah ne le veut pas. C'est entre ses mains. Et la décision qu'il a prise du bien et du mal, c'est entre ses mains, celui qui en a la connaissance et celui qui sait ce qu'il fait. L'être humain, il suit le cours des choses. L'être humain, il suit le cours des choses. Il fait ce qu'il a à faire. Il lève les mains. Il fait patience dans l'épreuve. Et puis, il se tourne vers Allah. L'épreuve est là pour réveiller ceux qui savent observer. Que tourne-toi vers Allah. Rien ne sert de parler et de faire de grands discours. Il suffit de lever les mains, de se tourner vers Allah et de verser les larmes devant Allah. Tu vis une épreuve. Tu vis une difficulté. Tu as besoin de quelque chose, demande à Allah. Tu peux utiliser les causes, mais place ta confiance en Allah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit cela et il dit Rufi'atil aqlam wa juffatis suhuf. Hein? Les stylos, les plumes ont été levées et l'encre s'est séchée. Les feuilles se sont séchées. Ça y est, c'est écrit, c'est comme ça. Et dans une autre version de ce hadith, il dit encore Ibn Abbas radiyallahu anhuma, pense à Allah dans les moments de facilité. Il se souviendra de toi dans les moments de difficulté. Sache que ce qui devait te manquer ne doit pas t'atteindre. Et sache que ce qui doit t'atteindre, eh bien, tu ne peux pas le manquer. Sache que anna sabr, anna nasra ma'a sabri,
l'aide d'Allah viendra avec la patience et que Allah subhanahu wa ta'ala ouvrira les portes de la facilité. Wa anna ma'a al-usri yusra, la difficulté est suivie d'une facilité. La leçon que nous retenons de ce hadith, et on termine là-dessus, c'est que notre confiance totale est en Allah subhanahu wa ta'ala. Ce vendredi 13, c'est aussi l'occasion pour nous le rappeler qu'on attribue le pouvoir à personne, à aucun être et à aucune créature, à aucun élément de cet univers. Mais ma confiance, elle est totale et elle est unique en Allah subhanahu wa ta'ala. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah nous suffit et il est le meilleur garant. Fajazakumullahu khaira wa akhir da'wana. Alhamdulillahi rabbil alamin.